Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on est parti mettre de l'engrais aux orges et au blé tendre, de l'azote et du soufre. Bon, pour l'orge j'ai déjà fait un premier apport, je vais vous montrer un peu comment on décide de faire les apports. Il y a une méthode très simple. Et là j'ai le 533 derrière moi avec le Vicon. 45 chevaux, je vous rappelle, 30 000 heures. Avec le Vicon de 600 kg. Et on va aller voir les orges. Cette orge là, elle a été semée le 5 décembre. Et on a fait juste un anti-graminé contre les régras qui a pas trop mal marché. Là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a des coquelicots, des kénopones, des renouées, quelques matricaires, des véroniques feuilles de lierre. Là, c'est renouées des oiseaux. Là, un petit rumex de graines. Cela, c'était un précédent éleveur il y a 5 ans. Et je sais que j'ai beaucoup de graines. La graine de rumex, ça dure longtemps. Et là, vous voyez l'axial qui a été fait, je sais plus quand maintenant, début février. Là, c'était un régras, il est crevé. Les feuilles rouges, là. Ça a drôlement bien marché, ça. Ah ouais, là, c'est une autre renouée. Mais bon, là, on a préféré attendre que... Parce que vous voyez, ça naît encore plein mal de dicotes. Je voulais faire qu'un seul passage de dicotes. Et j'espère que j'aurai pas de folle avoine qui vont lever. Sinon, l'orge, dans l'ensemble, hein, vous voyez, elle est... Même je suis vraiment étonné, vu le temps que qu'il a fait depuis 6 mois, là, d'avoir... Bon, on a labouré, c'était pas prévu. On voulait faire ça en TCS, mais on n'aurait jamais pu la semer. Là, elle a eu 30 unités en azote liquide il y a 15 jours. Et vu le stade où elle va être, bientôt il y a 1 cm, parce que vous voyez, les pieds ont bien talé. Il y a 3 tales. Et on commence à avoir une fin d'azote. Je vais vous montrer. La fin d'azote, en fait, elle se voit très facilement. C'est les feuilles qui jaunissent. Là, on va voir un endroit là. Vous voyez quand même la différence. Là, il y a eu beaucoup moins. On a diminué la dose pour voir l'efficacité. Et surtout, un truc tout simple, hein, c'est la bande double densité. Vous voyez là, on a recroisé avec le semoir. On a ressemé. Où on avait déjà semé, et la fin d'azote, vous voyez les feuilles sénescentes là, et on voit elle est vraiment ajaunie, hein. C'est très facile à faire, et ça vous permet quand même de savoir si votre premier apport est mangé ou pas.
nous voici dans le blé tendre. J'ai oublié de vous préciser, l'orge c'était pressé dans blé tendre. Et là, le blé tendre ici, là, c'est pressé dans tournesol. Là aussi, année atypique, on a semé le 28 décembre ici. Là, je vais vous montrer un petit peu. Il a pas mal poussé quand même depuis. Et là, vous pouvez voir, il y a eu un désherbage il y a 15 jours qui commence à faire effet. Il y avait des régras, Véronique. Ça commençait. On espérait avec un labour et semer au mois de décembre avoir des champs propres. Et en fait, avec la température, bah, le blé a poussé, mais l'herbe aussi. Ce champ, je voulais le mettre en TCS pour éviter de ressortir les graines de régras qui étaient en dessous. Les chardons même. Bon, ceux-là, je pense pas qu'ils vont repartir. Mais on fera un rattrapage 10 côtes plus tard. Ça permet d'économiser en désherbant. Et vous voyez quand même, la densité était correcte. Hein. On a semé tout simplement au petit nodet, derrière un coup de vibro, derrière la charrue. Là, on peut voir qu'il est en plein talage. C'est un peu tôt pour mettre l'engrais pour celui-là. Mais j'ai d'autres champs de blé qui sont à 10 jours d'être épis 1 cm. Et il faut absolument mettre de l'azote. Là, il n'y a rien eu pour l'instant. Il y a juste eu un apport de phosphore pour favoriser le talage. Parce que c'est pas l'azote qui favorise le talage. Et je suis très satisfait parce qu'on a mis 30 unités là. Et il se porte à merveille. Moi, je vais vous laisser sur des vues d'épandage. Et je vous dis à bientôt.